Hello. Je suis productif aujourd'hui, c'est dans mes dernières journées de liberté avant de retourner travailler. Le moton a baissé. Bon, j'ai fait un an. Mon objectif est atteint. J'en ai pas fait assez pour ce que je voulais faire, mais le principal est fait. Fait que là, je vais vous expliquer quelque chose de primordial. Protégez-vous vous-même. C'est beau de vouloir vous regrouper, puis agir en groupe, partager tout ça. Mais personnellement, je reste toujours tout seul. Parce que je suis sûr qu'il y a la moitié des gens que je trosse que je devrais pas. Ça, le mouvement est tellement pourri que aussitôt que tu t'ouvres, c'est à peu près sûr que tu vas faire une gaffe, tu vas t'ouvrir à la mauvaise personne. Fait que je dirais que des amitiés qui naissent sur Facebook, c'est ça reste virtuel, puis fiez-vous plus à ce que vous vivez dans la vie. Moi, je m'associe avec personne. Je jase avec personne sur Messenger, vraiment. Je m'en vais dans une direction, puis je bulldoze dans cette direction-là. Je laisse rien autour miner ce que je suis en train de faire. Fait que peu importe ce que les gens font, débarquer chez nous à la gang, m'insulter, rire de moi, ça me dérange pas pantoute. La plupart du temps, je sais à peu près qu'est-ce que c'est, fait que je lis plus ou moins, et parfois même pas du tout. Fait que ne m'en voulez pas, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps savent très bien que je tisse pas d'amitié. Je fais confiance à personne. Puis je vous suggère de faire la même chose. Je m'ouvre juste assez. Je suis pas méchant. Je veux dire, je partage des choses avec les gens, mais rien qui pourrait me nuire. Puis, j'investis pas de temps dans une amitié Facebook. Contrairement à ce que je ferais dans la vie. D'ailleurs, j'ai toujours été solitaire. Puis, quand je sens qu'il y a trop de gens qui veulent être mon ami, ben souvent je suis bloqué avant de toute façon. Ou je suis capable de prendre des breaks là, pour me faire oublier un petit peu. Mon but, pour moi, Facebook, c'est un outil pour de diffusion pour ce que j'ai à dire, sur ce que je constate. Je suis du bord de personne, je suis du bord de l'humanité. Moi, je défends mes droits. Puis je suis avec ceux qui défendent leurs droits aussi. Leurs droits et libertés, parce que selon l'histoire, si on regarde l'histoire, celle qu'on nous raconte, ben, tous les droits qu'on a perdus et libertés, les choses qui leur étaient dues à nos grands-parents et à nos ancêtres, nous on les a perdues, mais on les reprend jamais. C'est des mesures pour corriger un problème, mais quand le problème est corrigé, la mesure elle s'enlève pas. Dans le fond, c'est des mini-étapes que le système fait pour graduellement gruger un peu de terrain pour avancer. Quand t'as pas de limite de temps pour faire ce que tu veux, et que cette idéologie-là est assez implantée dans assez de gens, ben ça va continuer à se faire. Ça prend le temps que ça prend, mais ça finit par arriver en bout de ligne. Fait que c'est ça. Je peux sembler froid des fois, je disparais, je réponds pas souvent sur Messenger, je regarde jamais Messenger ou presque.
faut que ça me pop dans la face puis que ça me tente. Puis ça m'a permis depuis 2008 de minimiser les erreurs que je fais, parce que ma famille a été menacée, puis tout ça, là. Enfin, bien des choses. J'ai eu des représailles physiques et compagnie. Fait que faites attention à ce que vous faites et à qui vous parlez. Puis à ce que vous dites surtout. J'ai beaucoup de mes ennemis autour de moi. Bien souvent, je suis pas supposé savoir qu'ils sont là pour me faire du tort, à aller chercher des choses pour me salir plus tard. Mais je suis habitué, j'ai tout vu ça depuis 2008, que je suis sur Facebook à exposer les tout croches. Pas les tout croches, les croches. Les tout croches, c'est pas la même chose. Faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et s'ils sont tout croches, il y a une raison. Ouais. C'est pas toujours leur faute. Bref. Protégez-vous. Bien souvent, il y a des gens qui. Je suis devenu avec une certaine notoriété underground. Parce que j'ai fait d'autres choses avant que cette crise-là existe. Là. Fait que ceux qui me connaissent depuis longtemps, ben, ils me pitchent l'info. Puis. Fait que je reçois, mettons, des données sur un tel, lui il fait ça, lui était le même, lui était cette gang-là avant. Merci beaucoup. Bien souvent, j'ai déjà mon idée de fait, mais peu importe. De la façon dont je fonctionne, je me mets pas en position jamais, double négation, je ne me mets jamais en position pour pouvoir être blessé, ou très rarement. Faut prendre des chances des fois dans la vie, mais c'est toujours des risques contrôlés. Fait que Facebook, ne faites pas confiance à ça, faites juste confiance aux gens que vous connaissez dans la vie depuis longtemps. Et encore là, certains vont vous trahir. Fait que tout ça est une immense pièce de théâtre. Associez-vous, comme j'avais parlé avec les cellules, deux, trois personnes que vous vous connaissez depuis longtemps, avant tout ça, puis que vous êtes sûr. Puis là, vous pouvez poser des actions. Là, je parle pas de trucs de violence ou de briser quoi que ce soit. Mettez des affiches. La propagande, c'est l'information que. Il faut que les gens sachent. J'ai rien contre que tu prennes une décision, mais il faut au moins que tu sois au courant de telle chose, puis tu en aies pris connaissance, puis tu te sois posé la question. C'est le but qu'on devrait tous avoir. Plus tard, si on me met la tête, si on m'attache pour me vacciner de force, je dirais pas la même chose. Mais, bref, faites très attention. L'idéal, ne le faites pas. Tu sais, j'ai des amitiés Facebook, mais c'est des amis Facebook que je truste beaucoup. En étant ce que je suis, en vivant ce que j'ai vécu, je le vois des fois que les autres, qu'ils vivent et comment ils vivent. Pis ça valide dans mon cas que cette personne-là est legit. Fait qu'il y en a que je sais qui sont legit. S'ils sont dans l'embarras, je vais débarquer les aider s'il y a une gang. Ces gens-là doivent savoir de qui je parle. C'est des gens comme moi qui font leur truc, peu importe. Puis on est. En étant éloignés les uns des autres un peu, en mettant une barrière entre nous, ça aide à se protéger entre nous autres en même temps. Je pense qu'il doit probablement le voir de la même façon. Parce que je mets pas beaucoup de. Je mets pas de temps sur les gens qui m'attaquent. Juste quand ça me tente de m'amuser, je vais faire des mimes. Je m'amuse une petite 2 heures ça. Puis après ça, j'arrête. Je les laisse aller. Enfin, moi, mon message est passé. Vous suivez des pourris. C'est ce que je pense, puis j'ai plein de choses à montrer qui expliquent pourquoi je pense comme ça. Parce que du moment où vous en avez pris connaissance, continuez votre vie, mais venez pas me faire chier. Mon but est pas de me faire connaître, parce que j'aurais fait des vidéos bien avant ça. Puis, je disparaîtrai pas aussi souvent des réseaux sociaux.
À chaque fois que je vois que je commence un petit peu à attirer l'attention trop, là, je décalisse un peu. Ben souvent, je le fais pas parce que je veux, parce par la force des choses, parce que ce que je pose, c'est toujours censuré, pourtant. En tout cas, c'est, ça reste à explorer cette, cet aspect. Fait que c'est ça, faites très attention. Puis souvent, ben, fiez-vous à votre intuition, mais ayez quand même un protocole ou une ligne que vous mettez que vous ne devez jamais franchir. Pas dans les temps qu'on vit. L'humanité est divisée en deux camps, puis le camp duquel je fais partie est rempli de monde qui je veux pas m'associer et qui m'aime pas du tout. On essaie de me faire fermer la gueule ou de me faire disparaître ou parce qu'on n'aime pas ce... les questions que je pose, mais il faudrait peut-être y répondre, les aux questions. Moi, depuis le début, le premier confinement, j'ai posé des questions qui m'ont pas encore été répondues. Que, à un moment donné, mettez-vous à ma place, tu sais, tu poses une question à quelqu'un, puis ça fait 2 ans que tu lui poses la question, que tu n'as toujours pas répondu. Puis là, tout ce qu'il fait, c'est de dire aux autres de te bloquer, d'aller t'insulter, de te rapporter, là, parce que si le monde vient te bêter, là, ils viennent t'insulter, là, tu te défends puis ils rapportent ce que tu dis. S'il y a des insultes pour te faire bloquer, fait que là, tu disparais pendant un mois. Ben souvent, tu montes à un mois assez vite, puis après ça, ça j'ai déjà eu 2 mois. Des fois, ils te pognent 2-3 publications d'un coup, poup, 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 90 jours. Ils ont des façons bizarres de fonctionner des fois, avec le shadow ban et toutes ces choses-là. Des fois, je suis en ligne, mais il n'y a personne. Presque 3000 amis, mais pendant 24 heures, il se passe rien du tout. Maintenant, la publication qui est en haut, ça fait un jour, un J, qui est là. Ça continue un peu des fois. Là, j'écris plein de niaiseries, à un moment donné, ça débloque. Je leur parle. Ou, tu sais, les liens que je pose sont brisés, mais ils sont pas brisés pour moi. Ils sont pas brisés pour une ou deux personnes, mais ils sont brisés pour les autres. Puis là, les gens m'envoient des captures d'écran. Là, j'essaye mes liens, puis ils marchent. D'autres personnes disent oui, ils marchent. Mais plein d'autres personnes, en tout cas. Ou tu vas poster quelque chose, puis 20 fois, puis à un moment donné, un de tes amis qui te suit, c'est la première fois qu'il voit le meme, puis ça fait comme 20 fois que tu le postes. Tu poses tes archives, le monde sont tous surpris. Ah ouais, où t'as pris ça? Ça fait comme 20 fois que je le poste à peu près. Fait que le shadow ban, c'est un problème, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Fait que faites attention, c'est ça, mais n'oubliez pas que Facebook, c'est un outil, un média, une plateforme de diffusion jusqu'à un certain point d'information. Moi, c'est le même que je le vois. Je me fais pas d'amis là-dessus. Je ne vais jamais voir personne en personne. Mon rôle à moi, c'est de vous éclairer, de vous faire voir ce que vous avez pas vu pour prendre une meilleure décision. Moi, je veux absolument personne qui me suit. Je veux pas être le patron de personne, je veux être le leader de personne, j'haïs le monde. Je suis bien tout seul, tranquille. Puis si je me crée des amitiés, des choses comme ça, ça me fait perdre du temps. Parce que j'ai un but dans la vie, puis je travaille dans ce but-là. Puis ce qui me nuit, ce qui me retarde, ben j'en prends pas. J'y donne pas de temps. C'est un choix. Je m'y suis pris tard, mais je veux un monde d'une certaine façon. Présentement, comme ça marche là, ça me va pas du tout. Puis, je veux travailler à changer des choses, créer des bonnes bases. Puis, ma vision de la vie a beaucoup évolué, a beaucoup changé. J'ai pas peur de la mort. J'ai eu une belle vie, là, puis... plus vieux que j'en ai l'air. J'ai une belle vie, puis... je suis fatigué. Ouais. J'ai hâte que quelqu'un vienne me chercher.
que fais pas chier, hein. Là, de mon âge, j'en ai rien à foutre, là. Tu fais pas chier, ça. Fait que, attention aux médias sociaux, les amis. Je vous en supplie. Trust no one. Il y a des gens que je sais qui sont pas bien intentionnés, que j'ai dans mon entourage. Parce que m'emmener avec tous les comptes que j'ai, que j'utilise pas tout le temps, j'ai 7 comptes. Fait que je peux pas garder à jour tout le temps, enlever tout le monde. Puis j'aime ça en avoir qui peuvent passer le message aux autres quand je pose des mimes. Tu sais, il y a moyen d'utiliser ces gens-là à bon escient. Tu sais, ils peuvent servir à quelque chose dans le temps qu'ils sont en train d'essayer de te flatter. Ne serait-ce que partager ton information. Fait que ça atteint des gens que t'aurais peut-être pas atteint. Puis des fois, il y en a un de temps en temps qui viennent voir sur Messenger et dit merci beaucoup, j'avais pas remarqué ça. Mon plaisir. Mais je deviens pas ami avec toi, par exemple. Je suis désolé. Faut que je fasse la même chose pour d'autres. Marquerai que ceux qui sont pas dans le mouvement, il n'y a pas de leader là-dedans. On est juste un paquet de monde qui font des choses par soi-même, mais qui crée une convergence dans la même direction. C'est ça un mouvement, ça n'a pas de hiérarchie. Fait que, faites attention à Messenger énormément. Ça garde les gens plus honnêtes de faire ça public tout le temps. Surtout quand t'as rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher. Fait que j'ai aucune raison d'aller me cacher pour parler de quelque chose qui me semble être d'ordre relativement public. Je parle de rien de vraiment important par quelconque média. Et mon téléphone, il est pas dans la pièce. Il y a 83 couverts, des oreillers par-dessus. Il n'y a pas grand-chose pour m'espionner chez nous, à part le thermostat. Mon téléphone. J'ai fait très attention à... C'est ça, les réseaux sociaux. Puis tout ce qui en découle. Ne donnez pas d'informations qui pourraient revenir contre vous. Et n'embarquez pas dans les conversations où des gens, un soir, vont débarquer parce que vont vous parler de quelqu'un avec qui a dit quelque chose avec lequel il n'était pas d'accord, puis toi non plus. Puis ce soir-là, tu étais un peu éméché, puis tu dis « Ah ouais, le tabarnak! » Poup, l'autre peut prendre ça en capture d'écran et sortir ça à un moment donné pour créer la bisbille. En réalité, tu peux être en crise après ton ami, mais ça reste ton ami pareil. Puis, regarde, lui, il pense que, mettons, on est mieux d'attaquer un problème de cette façon-là, puis l'autre, ben, c'est bien correct, là. Quand on pense tout pareil, on n'avance pas. Tu sais, des gens comme moi, il en faut. C'est plate, là. Mais il en faut. C'est plate pour moi parce que j'ai pas ben ben d'amis. Parce que j'en veux pas. J'en ai eu en masse à une certaine époque. Beaucoup de gens me connaissent, puis je peux aller prendre de la bière avec n'importe qui, n'importe quand. Il y a plein de monde. Mais ils ont leur vie, j'ai la mienne. Puis c'est lourd, quelqu'un comme moi. Je peux pas être à quelque part pour avoir une discussion normale. Parce que tous les sujets m'apportent à parler de choses qui rendent la plupart des gens inconfortables. Fait. Faire des vidéos comme ça, c'est l'idéal. Fait que, ne faites confiance à personne, même pas à vous-même. À votre jugement. Puis à la limite, je dirais, faites-moi pas même pas confiance à moi. Je pense bien faire. Mais tout est relatif, tu sais. Ben, je sais que je fais pour le mieux. Pour corriger certaines facettes qui font défaut à l'humanité présentement. Parce qu'on peut être beaucoup plus que ce qu'on est présentement.
Puis on essaie de nous faire croire avec l'intelligence artificielle que l'humain est obsolète. Moi, je suis pas d'accord. Sur ce, bonne journée.